matin, on est en route vers les Keys. On s'en va faire Key West en ouest. J'ai mis une petite couverture parce que j'ai pris un coup de soleil, puis là, le soleil tapait en plus, fait que c'était, ça me faisait mal. Puis là, David, il dit « Ah non, dis-le, c'est à cause que t'es pas bronzé comme un trucker. » Ça fait finalement deux jours qu'on est parti de la maison de nos amis, où ce que nos effets personnels étaient. On a loadé le boss à bloc. On n'a plus de suspension sur le boss. Rakaski sur le dessus, mon toolie, il fait la banane. Fait que je pense qu'il va falloir libérer ou se détacher un peu de stock qu'on a. On est présentement dans les Everglades. Fait que le boss est dans les Everglades, on est sur le bord de l'eau. L'eau est vraiment claire, là. On continue notre chemin vers Key West. On fait juste donner un petit break au chat et au West. Puis on va manger un petit quelque chose aussi. Il a fallu arrêter dans les Everglades à cause que le petit vieux, il a chaud. Hein, David? Oui. T'as chaud? Il fait chaud. On est bien, par exemple. Ça pourrait être beaucoup plus pire. On va sur le boss 2 secondes juste pour voir les bumper stops de ma suspension. Juste pour voir que j'étais bien à côté. Puis je m'aperçois que j'ai une botte de choc de lousse. Fait que, aussitôt arrivé sous le boss pour serrer ma botte. Au moins c'est juste ça, puis je suis bien content de l'avoir pogné avant d'avoir perdu ma botte. On est arrivé ici parce qu'on est presque arrivé à la destination, mais j'ai soif, fait qu'on va aller chercher de la bière, mais sans alcool, parce qu'on fait le février sans alcool.
l'église. C'est spécial, hein? C'est parfait, je pense. On a une place de même pour stationner, là, juste avant Key West. Là. C'est vraiment que. Qu'est-ce que t'en penses, toi? T'en es, tu veux débarquer? Ouais, on ne faut pas t'apprendre à sortir par la fenêtre. Non, non, non. Nos amis qu'on a rencontrés en voilier l'année passée, Sylvain et Daniel de DS Alizé, nous ont suggéré de venir au Robbie's. On va voir qu'est-ce qu'il y a à faire ici. Ça a l'air que c'est cool. À suivre! Je pense que c'est ça qu'on s'en vient faire. Hein? Nourrir les tarpons. Il y a de l'argent partout collé sur les murs avec des noms dessus. C'est tout des 1$. Hi there. Hi. They're not your friends, okay? Okay. Would you like a receipt? Ça dit de pas nourrir les pélicans. Ils sont tellement cute. Tu sais, c'est dur de ne pas y donner à manger, Pouty! Arc! You want some food? Guess he's cute! Là, t'es touché. Mais c'est un bébé! Ok, do not touch. Je sais pas si c'est bon à manger, ça, ces oiseaux-là. Ah, je suis sûre que non. je doute. Sinon, il n'y en aurait pas autant, ouais. Tu sais. Ben, je parle des pélicans. Oh, les pélicans! Non, les pélicans, non. Je pensais que tu parlais des tarpons. On a essayé de demander voir si on a quoi manger des poissons, les tarpons. On n'a pas eu de réponse. On voulait googler ça. Mais il y en a tellement, puis ils sont tellement gros que d'après moi, non, ça se non, mange non, pas non. Parce que sinon, il n'y aura pas autant que d'après ça. D'après moi, ça doit être comme un genre de carpe, là, tu sais. Ouais. Ça doit manger le fond, puis. Ouais. On a choisi de ne pas les nourrir et de regarder les autres le faire à la place. Je suis certaine que le soir, là, ça doit être cool de venir prendre un verre ici et tout ça. Là, nous autres, je sais même pas s'il est 9h le matin, là, fait que on va attendre un petit peu. Surtout qu'on fait, comme on vous disait hier, on fait le 28 jours sans alcool. Fait que... Mais ça doit être vraiment une place, vraiment le fun à venir s'asseoir sur le bord de la plage avec un petit feu. Bien chill. We'll be right back.
On vient d'arriver, on est à peine stationné, puis il y a déjà un coq qui est venu. On est dans un stationnement public. David est parti payer. Ah, il y en a un autre là. Puis on a sorti Tig pour faire prendre l'air un petit peu. Encore aujourd'hui, c'est pas super chaud. Il y a un petit vent, tout ça, fait que on va pouvoir laisser Tig dans la van le temps qu'on allait faire un petit tour dans les alentours. On est dans un state park, dans un parc national dans le fond, puis il y a une plage, tout ça. On a trouvé un endroit plus à l'ombre, fait qu'on a monté la tente du chat, puis on s'est installé parce qu'on est allé marcher en ville l'après-midi dans... Mais non, c'était trop chaud, là. On pouvait pas laisser le chat dans la vanne, donc on a décidé de venir à la place à la plage, de le sortir un petit peu dehors, tout ça. On va plutôt profiter de Key West, la ville, ce soir, quand il va faire noir, puis ça, puis que le soleil va tomber, là, ça va faire du bien pour lui, pour nous, puis il n'y aura pas trop chaud. Puis nous autres non plus d'ailleurs, parce qu'il fait quand même chaud.